Bienvenue tout le monde. Il est 7h30, comme d'habitude le jeudi soir, nous connecter cap et mettre directement de Haïti, mais quel que soit côté nous y est, d'un pays ou bien à travers le monde, nous dit tout le monde bienvenue. Nous connecter son émission que madame moi Béatrice Gretchen Gonzalez avec moi-même Gilbert Gonzalez, nous t'ai décidé monter petit programme ça qui sont programme avec un aspect éducationnel. Et nous mettons les sur pied pour qu'ils savent ce que nous voulons capable partager avec la communauté haïtienne. Non? Pour nous mener par la communauté, hein, des mouns en général qui sont des natifs natals de pays, nous, la plupart du temps, autant que possible, mais qui ont des connaissances particulières dans le bien-être mental, bien-être émotionnel, spirituel ou bien physique, et que nous venons mener pour nous gratuitement sous plateau pour venir partager avec nous. Donc, en tant qu'émission à caractère éducationnel, nous sommes capables à n'importe quel moment retourner sous page Facebook là, ou bien sous lien channel YouTube nous, et nous allons rejoindre là toute ancienne émission que nous avons déjà eu. Jeudi, là, c'est la 6e émission, nous c'est jeudi 21 mai, et nous avons accueilli à Souéa Martin Brisson, nous allons parler de Kundalini Yoga. Donc, Martin, nous allons présenter formellement tout à l'heure, mais quand même, nous voulons dire bienvenue et bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Je suis très content de la Jodia, je vous salue tout le monde. Il est en la Jodia, quel que soit côté, parce que moi, je ne pas en Haïti, c'est Montréal moyen, c'est la pandémie à fermeté, mais je vous salue tout le monde. Bonsoir. Alors, il faut dire que Martine vive à Haïti, il était en voyage et puis il est bloqué l'autre bord. Exact, exact. Donc, jusqu'à ce que, circonstance spéciale, ça va permettre Martine de tourner et moi que l'a fait des bagages online, c'est-à-dire l'adapter rapidement. Donc, ça a son bon bagage. C'est justement ça, nous connecter. Nous connecter, Vini, pour permettre à travers technologie et de la caille, nous, là, c'est-à-dire de manière très. Très convivial, de manière très amicale et sympathique en un sens. Nous faisons des choses, nous faisons des émissions à côté que très conversationnel, nous ne faisons pas de trop formel. Donc, de manière à ce que tout le monde est capable de poser des questions. Tout. Donc, si il y a des gens déjà qui ont en tête quelques questions par rapport à yoga, par rapport à Kundalini Yoga, profitez, nous mettre poser sous live Facebook là, ou bien sous Zoom call. Là, ok? Donc, de manière habituelle, nous toujours un petit exercice que Béatrice fait avec nous. Et c'est comme ça que nous toujours démarrer session. Donc, on va virer le plateau à la première BA pour lui faire un petit exercice. Alors, de temps en temps, on a toujours un baisser tête main ou bien virer tête main. C'est pas que je ne suis pas intéressé dans ça qu'on fait. On m'a coûté. Mais nous sommes gestionnaires de pages Facebook et nous connectons Mind Valley Haïti. En même temps que m'a géré si bien question, donc son challenge moi parce que son bail m'a pas prendre tout avec les nouvelles technologies. Même moi un pile monde qui fait ça, il y a des monde qui gère parti ça pour eux. Donc là on a vu petit cal puis professionnel. C'est peut-être un bon volontaire un jour qui a dit nous que on a vu faire volontariat. En tout cas, merci parce que nous avons souhaité et bienvenue encore. Donc, avant de commencer, je vais inviter tout le monde, mettez-nous dans une position relax. Et bon, d'ailleurs, je dis à nous et Gilbert avec moi, c'est à terre, nous chita. Ah oui, nous tout parions. Nous pas sous chaise, nous, comme d'habitude. Donc, nous tout parions, nous chita à terre. Donc, moi, très à l'aise. Donc, mettez-nous vraiment dans des positions confortables, nous mettre tirés souliers, nous aussi pantalon nous trois serrés, détachés, déboutonnés. Mettez-nous pas quitter un rien dans rad nous qui pour gêner nous. Et mesdames, vous avez nous mettre des soutiens qui trois serrés, qui serrés, et nous pas rendre nous compte de pression, ben ça fait sous nous. Donc, détachez, relax. OK? Donc, on va l'inviter, nous fermer les yeux, nous. OK? Et nous parlons toujours commencer par des exercices de respiration. Mais je dis, dans l'exercice de respiration, moi, je voulais que nous prenions conscience comment nous sentons dans chaque partie de corps nous pendant que nous faisons respiration. Ça. OK? Nous parlons commencer, nous parlons inspirer, râler l'air rentrer. Et songer, là, nous râler l'air rentrer, il faut gonfler le ventre nous. Nous pas voyer les seulement dans poumon nous n'a voyer les jour quand dans ventre nous
et l'on a expiré, on a descendu ventre là comme si nous venons nombril là venir toucher avec colonne vertébrale nous et on a chassé, on a quitté toute l'air à sortir. OK, donc on a fait des longues inspirations. Je dis nous prendre à rythme par nous. OK? Nous va inspirer pour rythme par nous. Je nous sentis nous à l'aise le plus profondément que nous ca inspirer. N'a kembel le plus longtemps que n'ka kembel tout. Et n'a chassé l'air là le plus que nous capables. Inspirez. Kembeli. Expirez. Je dis, pendant que nous expirons, nous ne pouvons pas nous faire silencieusement et dans mode zen, etc. Moi, je veux nous expirer. Ah! Quitter des sons sortis, quitter tout stress là, aller pendant que nous faisons. Inspirez. Kimberly. Lagez. Ah! Nous mettons faire des gestes, tout si nous voulons. Faire le genre. Quand nous disons pour nous faire là, écoutez intuition, nous écoutez quoi nous. Inspirez encore. Kimberly. Ah. À nouveau, n'a pas inspiré. N'a pas Kimberly. N'a pas expiré bien fort encore. Ah. Et qu'on y a, ma petite nous font bagaille, qu'on pas qu'on fait d'habitude, mais comme qu'on est Martine, pour rebalancer nous avec yoga, nous pour faire toute qualité bruit, nous pas qu'on fait, qu'on signe un petit monde petit encore. Nous carrelé, nous carrelé, on envoie toute qualité bruit. Ouh, bouger, quitter tout stress là, allez, fait qu'on signe un petit monde petit encore. OK, pas occuper moun ki nan kay lan kap gade nou dwòl, fè tout sa nan vi fè. Ah! Ou! Je yo di la gèl, la gèl, la gèl, kite l'ale, kite tout ale. Ou! Ah! Ah! Kounya n ap fon ti kapè, n ap fè mes yeux nou. Nous mettons une respiration normale. Regardez qui j'en senti au dans corps. Regardez qui j'en senti au parce que au bail tête ou permission pour te tourner petit monde encore. Parce que petit monde pas mandé mon permission pour exprimer tête yo, pour yo crier, pour yo reler, pour yo grien dans yo, pour yo exprimer tout ça yo ressenti normalement. Donc, semaine, ça m'a invité à analyser chaque fois qu'on a une émotion qui remonte à la surface, qu'on a aimé exprimer et qu'on ne peut pas exprimer, pour qui ça ou fait ça? Pour qui ça ou kembe là-dedans? On a inspiré profondément. On a expiré. Et qu'on y a, nous prenons le penser à un bagage que nous reconnaissons pour lui dans la vie nous aujourd'hui. Un bagage qui fait nous plaisir, un bagage qui aide nous, un bagage qui permet nous aller de l'avant, que nous gagnons reconnaissance pour lui. Nous apprécions la vie nous chaque jour. Nous mettre souris et puis nous pas détendre visage non et qu'on y a nous venons prendre son bagage de pays nous de Haïti que nous aimons enfin nous faire émission ça m'a coûté musique Haïti c'est de Mika Ben et son musique qui tellement dépeint Haïti à un niveau extraordinaire chaque fois que m'écoute musique ça il fait comme content parce que moi ouais
beauté de pays nous. Donc pensez à un bagage que nous aimons de Haïti. Que nous aimons ouais qui vient exponentiel, qui vient multiplier. Un bagage non seulement qui est bon pour nous, mais qui est bon pour tout le monde dans le pays à tout. Qui a fait du bien, qui a appelé nous à de l'avant. N'a inspiré profondément. N'a expiré. Et là, n'a senti nous parler, n'a ouvert les yeux pour nous commencer une belle émission ça avec Martine Assouer. Merci tout le monde. Merci. Donc, ça était très différent que d'habitude. J'ai l'impression que c'est moi qui ai plus besoin que l'autre monde. Parce que nous faire un 3 jours workshop là, à côté moi, j'étais obligé en ligne. Jusqu'à 6h30 du soir chaque jour et me senti que j'ai besoin de bouger, j'ai besoin. Donc merci d'être participé avec moi. Eh bien, son bon début, bon émission qui prend à la fois mon côté enfin, éducatif, mais également mon côté physique. Ce n'est pas seulement théorie que je vous dis avec Martine. Donc, ça nous saute faire là pour enfin, tout montrer nous qui gens que. Respiration son bagage qui est important, qui gens que aller vers l'intérieur de nous-mêmes son bagage qui est important et également exprimer énergie que nous avons dans nous, comment que c'est des bagages qui est important. Donc invitez-nous à soir, Martine, m'bral prend un petit minute pour m'introduire. Donc Martine Brisson, son monde qui était fait et qui grandit Port-au-Prince Haïti, l'y découvrit pratique ça que les Kundalini Yoga en 2014. Pendant que l'idée, il considérait était sous chemin spirituel. Et c'est comme ça que pratique ça, tout de suite, l'ivine y a un soutien très important dans le processus de transformation. Dans la même époque, l'ivine également découvrit voile, qui c'est son profond qui sort dans l'homme. Et il chantait pour guérison par lui, mais également l'ivine commençait à chanter pour guérison l'autre. Moun lot nam et dans cours Kundalini Yoga que li fait yo li fait li pratiquer justement chant ça et vibration voix li et nous tendez li tout côté que li voyager mais surtout aux États-Unis dans des grands festivals Kundalini Yoga côté que musique et en particulier ça aurait des mantras li occupé une place importante pour expansion au monde. Donc, Martine également qui relait tête li Kiretnam. Oui, c'est son nom. Tu peux expliquer après. Ok, je vais expliquer nous ça. Li kwè en pile de puissance Kundalini Yoga. Li kwè que nous capables d'utiliser technologie ça pour réveiller conscience nous, surtout dans moment ça qui c'est des temps de bouleverse. Et c'est pour ça que li engagé li pour li étendre message ça et pratique ça pour que nous toutes nous capables je veux dire lever vibration communauté autour de nous que c'est communauté haïtienne ou bien l'autre communauté. Donc il faut nous dire que en 2015 Martine te recevoir un diplôme international li comme enseignante en Kundalini Yoga donc li certifié par Institut de recherche en Kundalini Yoga KRI. Donc Martine, j'espère que nous fait quand même un bon petit résumé de parcours. Si vous voulez ajouter quoi que ce soit, nous vous dire bienvenue plateau en pour vous là. Ah, magnifique, belle présentation, merci en pile. Et où tu as dit Kiretnam, ça c'est un nom que au bon moi, c'est pas moi qui choisis, c'est un nom spirituel lié au connaît. Nous avons plusieurs noms que nous bâtissons, leur petit, etc. Leur grandit dépendamment du caractère. Et puis là, c'est un nom que nous bâtissons, ce n'est pas même un monde qui te connaît. Nous avons de numérologie qui vient là-dedans, ça dépend de date, naissance ou année, etc. Mais aussi son inspiration que le monde juste joint et puis les bâtissons. Mais tout le monde, ça a une signification qui est très poétique, m'a dit. Et puis, on n'est pas obligé d'utiliser. Mais là, utiliser les vins montées vibrations sous sentir d'accord en harmonie avec les noms que vous avez. Donc, Kiretnam lui-même, il voulait dire
et The One Who Sings the Glory of Love. Donc, j'étais bien content parce que comme moi-même, moi, t'as chanté, son bagay qui vient nous rejoindre, moi, il me dit, bah, un problème, ok, moi, elle est qui est nam. Donc, bien. Nous avons tous les deux, Martin Bisson et qui est nam. Très bien, ok, bien content comme ça, mais dans qui, alors, c'est dans le moment que tu as pris certification ou bien c'est dans pratique spirituelle ou à quel moment que non ça vient et me commencer gain intérêt pour non pendant m'a fait pratique là pendant m'a étudier sur Kundalini yoga au début m'pas tellement intéressé on dit pas tellement mais après ça plus on rentre dans pratique là plus on vinn un petit gens curieux et puis dit est-ce que non que au cas ben moi ka edem tout et tracer un chemin le côté bralé a et c'est là ça ou faire demande là ou demander et qui non y a ba ou yo mande qui date naissance etc et puis yo voler non en pour c'est comme une surprise et puis ou recevoir les gens t'a dit là ou pas obligé utiliser mais li ka servi ou et gè des moun qui connaît seulement sous qui Vietnam par exemple un festival Kundalini yoga yo pas connaît si moi les Martin du soir pas connaît ça yo comme qui Vietnam yo très bien donc Martin, avant Kundalini Yoga particulièrement, est-ce que tu as toujours un intérêt pour yoga? Oui, yoga en général, il vient rentrer dans la vie parce que quel que soit côté où tu travailles, tu travailles en agroforesterie, surtout au Mexique. J'ai fini d'étudier au Canada, mal au Mexique, et puis je travaille là pendant plusieurs années. Mais c'était et comme agroforesterie c'est il y a un rapport avec le système et durable vie durable il était introduit yoga souvlé ou te mettre ta yoga donc il était gratis il était accessible donc on te fait yoga hatha yoga on te bien même il était mettait en forme il était permettre moi faire belle méditation etc donc on te déjà en penchant pour toute bagarre qui a un rapport avec yoga, spiritualité, méditation, mais Kundalini yoga vient après. Ça veut okay. dire que l'aime vient découvrir Kundalini yoga, c'était une découverte pour moi. Un bagarre que je me dis, oh, comment bagarre ça a pas connu l'avant. Et donc, c'est là en 2014 que je viens de connaître Kundalini yoga. Très bien. Et donc, depuis lors, vous venez décider vraiment spécialiser sur ça, mais. Parce que moi-même, j'ai mentionné ça hier, première fois que moi viens même d'entendre parler de Kundalini Yoga, c'est on l'a justement côté Vini, la caille dans la main, et côté, Béa, ta poste, on c'est un groupe de mesdames, et j'ai essayé de participer à training ça, et honnêtement, j'étais étonné. Qui gens que bon c'est simple joue ça me transpire tout le terrain en comme alors que moi même toujours connais yoga c'est un bail de relaxation pratiquement donc vraiment j'étais très impressionné par ça et faut que moi dit que et bon c'était seul là que moi même personnellement même des occasions je connais bien lui même son adepte lié tu vois mais et tu as bien aimé que tu as expliqué enfin pour moi parce que quand même pas qu'à dire que je suis spécialiste là-dedans mais surtout pour auditeur nous parlez-nous un petit peu de différence qui gagne ou bien comment bon, tu as. Enfin, origine Kundalini voilà. Yoga, qui ça exactement et qui différence qui gagne Kundalini et l'autre et pratique yoga. Yo. Ok. Alors, qui ça bon. Kundalini yoga et pour le monde qui parle. Ok. Donc, commencer avec le mot yoga. Yoga, okay. Lui-même, il veut dire union, il veut dire rassembler. En pile fois nous tendez corps âme esprit pour capable faire youn mais et yoga grand pile monde qui pense c'est son religion c'est pas religion li yo pense c'est en activité physique gain activité physique là-dedans mais c'est pas ça lié yoga li on pratique beaucoup plus holistique c'est en relation li et relation ça c'est conscience personnelle ou avec conscience infinie. Ça veut dire essayer de faire connexion ça ou essayer sentir et infini là en dedans ou même univers là genre relé la force de l'univers et Kundalini yoga Kundalini li vle di force vitale c'est on énergie qui en dedans corps différence qui gagne avec l'autre yoga
c'est que l'igon aspect qui est très spirituel dans Kundalini Yoga. Ba di lot yo pa genyèl, mais ça veut dire que lui-même but Kundalini Yoga, c'est pour éveiller conscience pour capable en état d'éveil tout le temps. L'impossible, nous tout le temps dit que nous utiliser 10% capacité nous qui côté 90% ayé. Et mais c'est concilité latent, l'abdomi, li la dan, li accessible nous li possible pour nous joindre li, mais faut nous activer énergie ça. Il y a parlé de un serpent qui enroulé trois fois qui en bas colonne. Il y a des gens qui parlent de serpents, mais pour serpents, il y a un symbole qui est très spécial dans plusieurs traditions, dans la médecine, dans les médecins feuillots, etc. Ils ont utilisé serpents comme un gros symbole. Donc, si je vais rentrer dans l'origine yoga, en général, yoga. Avant qu'on quitte l'origine, juste. Pour confirmer, donc Kundalini, il y a un rapport avec justement serpent, enfin symbole, ça, énergie que, qui est à la base de, enfin ça, tari, les root chakra, enfin à la base de colonne vertébrale, non, c'est ça? Exactement. Et c'est énergie ça qui cap dormi en colonne là, que nous voulons réveiller, nous voulons que énergie ça vienne circuler dans corps nous pour capable joindre en plus qu'en bien-être. Plus qu'on clarté d'esprit. Ça veut dire que ou vin clairé, ou wè bagay yo clair, ou vin senti, et c'est comme si ou vin senti en bénédiction, bénédiction la vie. C'est une pratique qui est très intense, et m'ba di li difficile, même ka di li intense, parce que li mande ou pi le travail, ou même ou même ou te on ti jan surpris, parce que nous kon di, yoga c'est pour fi, yoga fo flexible, sou pa, mais grosse, mais kon sa, ou pa ka fel, sou pa sexy, c'est pas vrai, tout bagay sa yo, blie bagay sa yo. Tout moun ka fe Kundalini yoga, nous c'est un yoga qui utilise tout corps, physique pour capable élever conscience. Mais l'utiliser partie qui en haut surtout, ça veut dire vous pas l'utiliser tout quoi oui, mais toute énergie c'est pour le travail colonne là. Depuis en bas jusqu'à arriver dans tête là. Ça veut dire grand pile flexibilité de colonne etc. Et yoga lui-même nous dit que il était là depuis longtemps. Il y a des gens qui parlent de 40 000 années que yoga fait partie de toute société, tradition, etc. Mais il n'est pas le même genre que lié Kounien. Ça veut dire qu'il était en bagaille que Mounio t'a observé sous activité, sous comportement de un monde qui est fait lié sous. Donc, à partir du moment ça, Yovin fait plus d'analyses, plus d'observations pour amplifier et faire ça. Mais c'est un bagage qui est dans le quotidien. Nous n'avons pas de même activité. Par exemple, un chasseur, est-ce qu'un chasseur peut faire yoga? Capacité de concentration, le besoin, respiration, le besoin pour être capable de faire travail, c'est en forme de yoga. Jusqu'à ce que, au fur et à mesure, c'était tout. Même dit toute tradition, tout y a cherché en bien-être, en façon pour gagner en physique qui solide, et puis que y a senti la paix en dedans même. Ça c'était tout peuple. Mais au fur et à mesure, bagaille au vin ont ils changé que et gagner qui plus travaille tel aspect ou bien tel aspect. Ça veut dire gagner monde qui chantait plus parce que y a avec vibration chantée à y a vin gagner tel effet. Donc y a concentré sur ça. Ça pas veut dire pas faire l'autre bagaille non, mais il y aurait doit bailler moins importance. Et ainsi de suite jusqu'à ce que ou vienne bien 22 branches, 22 styles yoga. Wow. Qui principal kounia dans l'ère moderne, dans 2000 etc. Il y a 22 styles yoga et dans 22 ça yo ou gain l'autre cap sorti là-dedans. Pas qu'à dire tout. Mais il y a Kundalini, il y a Hatha Yoga, il y a Ashtanga, il y a Bhakti, Shakti, Yantra Yoga, etc. Tout y a des spécificités. Par exemple, Yantra Yoga, c'est où il y a une image, où fixer sur une image qui a des formes géométriques qui sont sacrées et pour méditer avec formes géométriques. Dans le niveau de méditation qu'on finit de joindre, il y a des effets sur nous.
Gyon l'autre lui-même c'est plus et mantra yoga. Ça veut dire ou même ou ap chanter, chanter vibration sans son an, menen en côté, etc. etc. Okay. Mais gade l'autre branche qui vient sortir de plusieurs de 22 ça. En plus. Ou sont pas les deux yoga là que nous pas connait qui côté ou ap gade image yo. Et son bail extraordinaire parce que il y a docteur Joe Dispenza qui sont un docteur extraordinaire qui connaît à travers le monde maintenant et tout le monde va dans séminaire li parce que il y a des miracles qui fait dans séminaire ça yo et une de pratique li fait lire le kaléidoscope c'est côté justement il montrer forme géométrique ça yo sacré et au fort faire des méditations avec lui. Donc c'est un bail extraordinaire pas comme yoga comme ça et pas comme ça non plus. Mais tout yoga yo gen quand même des mouvements là-dedans, c'est-à-dire que li gen parce que ou soit t'as parlé de un côté quoi pour concentrer sur des formes géométriques, mais je suppose que yoga également qualifié par mouvement physique ou pas? Oui, oui, en général on a toujours un mouvement physique, une respiration qui permettent ou premièrement préparer pour une autre étape qui peut être méditation. Mais par exemple, et Bhakti Yoga, qui gagne une que c'est dévotion. C'est un yoga de dévotion. Il essaie de retirer l'ego, retenir l'amour, et puis il travaille, son pile travail de service. Okay. Et est-ce que, par exemple, nous avons dit que, ça son question, est-ce que Sœur Teresa lui-même, c'est pas ça qu'elle a fait, c'est une dévotion qu'elle a fait. Mais je pense que tout aspect physique là, on peut connaître dans presque tout yoga, même si ce n'est pas le même mouvement, parce que il y a des mouvements qui sont spécifiques, qui permettent que on peut utiliser le corps pour arriver dans un état de conscience qui est plus élevé, en vibration plus élevée, en tranquillité, en calme, etc. Donc, est-ce que par exemple, un monde qui a une pratique journalière, par exemple, de yoga, est-ce que. On prend un cas par exemple, Martine. Est-ce que vous êtes un monde qui a pas yoga comme pratique qui vient de côté physique, mais de côté spirituel? Est-ce que vous avez une pratique spirituelle également ou bien est-ce que c'est ça qui également servit de pratique spirituelle et journalière? Mabjou, franchement, c'est ça, je prends. Je me concentre sur ça. Comme je fais un pile classe, me concentre sur lui. Très bien. Avec l'époque de pandémie, m'accélérer rythme là, ça veut dire que me river dans sadhana. Sadhana son pratique personnelle qu'on fait pour même et dans sadhana ça m'a fait des 40 jours. Ça veut dire répéter on même bagaille là, par exemple on chanter pendant 40 jours. Li vinn changer habitude, li vinn bon effet. Nous allons parler de kriya qui ça kriya et qui ça mantra. Okay. Mais toujours agencer pratique yoga avant de faire capoeira, ça veut dire que je cherche un bagage qui fait. Pour moi, même capoeira, c'est une pratique qui est spirituelle tout. Il y a un peu l'aspect qui me remet, il est très physique tout. Mais il y a un aspect. Il est toujours intéressé, il est toujours attiré, même pas jamais essayé. Surtout que de toi à côté, dès qu'on a passé, il me semble un Brésilien. Il me dit non, ni dans le football, ni dans le capoeira. Pas brésilien, mais pas. Enfin, bon, brésilien, parce que je m'aime l'équipe Brésil là. Mais par contre, je dis que capoeira, je ne peux pas jamais essayer, mais il a attiré mon pile. Eh bien, nous, donc, par exemple, capoeira, ce n'est pas yoga, mais il y a des aspects qui amènent, parce que il y a un pile mouvement qui travaille la colonne vertébrale, qui permet de joindre en sorte d'extase, de bien-être, etc. Mais c'est qu'on combine avec yoga. Bon, okay. Kounia est dédié mon petit en plus dans le yoga. Et surtout que Kundalini, il y a plusieurs aspects. Il y a chanté là-dedans, il y a. Donc, moi-même, moi, chanté en pile. Donc, ça veut dire que je peux pratiquer et mantra yoga, nad yoga. Nad yoga, c'est ça qui a le chercher. C'est son qui saute dans le silence, dans l'amour. Ça, c'est nad yoga. Et donc, je dis que je pratique le yoga. Donc, c'est pratique spirituelle. Et puis, lorsque vous rentrez dans la pratique spirituelle, là, fond, vous avez besoin de bénéfices. Mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas quitter un petit 20% pour mal chercher ou comprendre de l'autre côté. Je ne suis pas strict que c'est ça seulement. Et puis, par exemple, vous mettez fou là, mais ça ne veut pas dire que vous mettez tout le temps.
Très bien. Mais li gon foula li servi tout dans pratique là. Il y a des moments, il pas obligatoire, mais il y a des moments que on senti que énergie a monté, il arrive dans tête là, on senti qu'il y a des fuites ou même on envie couvrir tête tout. Donc là on couvrir tête tout, li kebe krano, li permet de rentrer dans concentration et puis retourner énergie à là. Là, c'est énergie intuition, c'est ça qui permet. Très bien. Donc, alors, deux bagages, Mabmono. Premièrement, alors, pour compléter ça, m'apprendre tout à l'heure, par exemple, pour un monde qui a des méditations qu'on fait hors de yoga, par exemple, ça c'est le premier bagage. Deuxième question pour vous, c'est comment on voit que, bien sûr, il y a un confinement qui commence pour depuis le début de COVID-19, ça, mais qui l'autre bagage qui vient changer d'un vieux qui est spécifique à. Qui nouveau routine ou soit mentionné nous yon n'a pas quoi faire pendant 40 jours, mais est-ce qu'il y a quoi que ce soit d'autre qu'on vient faire dans le cadre spécifique de ça n'ap vivre aujourd'hui là que vous venez établir comme nouvelle routine? OK. Dans nouvelle routine là, bon, fait pendant la pandémie, pour 40 jours, bon, qui vient dépasser, hein? Bon, c'est pourquoi rivé là sous 50 jours. M'a chanté au mantra, par exemple. Mantra, ça, ou pas, c'est son bagage qui est très subtil, ou chanter, après ça, il y a des émotions venues. Bon, arriver après deux semaines, c'est des sentiments comme, pas de capable encore de envie de quitter ça. Parce que il n'y a pas de femme sentiment bien. Après ça, il me dit, mais ami, qui ça, les gars, mais là, continue, il vient pour travailler, il travaille, son médecine, son guérison. Et puis, donc, me fait c'est pratique ça que je commençais pour 40 jours qui viennent de passer. Mais il y a des moments où monter et puis où descendre, ça ne veut pas dire que pour toute vie, il y a des gens qui font ça chaque jour. Moi-même, il y a des moments où monter, où descendre, et puis l'aime sentir que son moment vague l'arrivée, je me tout prendre. Mais pendant la pandémie, ça me moins joindre, c'est en l'esprit de service. Dans le sens que, il y a des gens qui relèvent, c'est presque si ce n'est pas 911. Vous comprenez? Ils ont relèvent pour dire, Martine, est-ce qu'on n'a pas une respiration avec un mouvement, kounia, bon, 10 minutes, parce que je ne suis pas capable encore. C'était de relèvent 15 minutes d'effet. Ça veut dire que pendant 15 minutes, il faut avoir un effet qui monte, qui bat en énergie, parce que les gens ont senti que la dépression a envahi, la tristesse a envahi, la paix a envahi. Donc ça veut dire que moi-même moi senti que li bon envie rentrer dans service pour OK pendant que nous-même nous gain technologie ça Kundalini qui ont technologie tellement puissant qui ba un effet qui rapide d'aller nous pas faire en pratique n'a senti un bagaille quand même okay. Et par contre qui s'allie mais nous pas ca indifférent donc comment nous ca servir avec et pratique ça dans moment que n'a vivre là. Donc c'est ça me dit son belle sensation parce que vous entrez dans un cycle de wabai ou recevoir wabai et puis recevoir. Martine, grand monde qui m'a dit là qui dit que il était pratiqué yoga nidra qui était un pile exercice de respiration et de méditation lié mais que il pas de jeune pratiquer l'autre et yoga parce qu'il était vinn des problèmes et au niveau discal, ok. Donc, je te dis que peut-être douleur chronique qu'il te gagne dans le dos, il n'y a pas de pratiquer. Sans penser pour le monde, est-ce que c'est le monde qui t'a pratiqué pour Kundalini yoga? Bon, ça dépend. Il y a des gens qui ont un problème justement cervical. Il y a des gens qui viennent, ça fait 3 ans, ils ont des problèmes cervical. Et ça aide parce que nous faisons un pile étirement, nous tirons sur colonne pour nous faire des espaces entre vertèbres là. Et puis, il y a des flexibilités à chercher. Peut-être que l'on fait commencer ou qu'on senti ou qu'on pas à l'aise, mais après ça, les vins baillent en flexibilité et des espaces entre vertèbres là. Je ne peux pas dire que la bonne pour tout le monde. Ou qu'on senti que il y a des mouvements ou pas qu'on fait. Par exemple, moi, des passer par derrière moun ou pas le senti gonné c'est eux même qui pour senti Kundalini c'est pas perfection n'a chercher une intention qui pure et tout le temps chaque mouvement nous dit même mouvement mais nous ka faire variation seul bagage que mandé
pas essayer faire variation pour c'est en fuite parce que pour même l'été trop difficile et puis l'aimant de mettre bras là et pour mettre là parce que oh il fait trop mal là. Mais si vous connaissez son bagage quand même au gain, ou qu'à modifier et mouvement. Mais pour et cervical là, l'état bon en discussion ou bien ou est dans qui étape ou y avec docteur médecin qui suit vous pour le capable est-ce que Kundalini a son bagage qui est bon. Ou parce que gagne les liba des effets très positifs, gagne des douleurs et qu'on gagne dans le dos et puis qui viennent disparaître au fur et à mesure qu'on finit pratiquer Kundalini yoga. Bon, moi même dans pratique pas que me fait avec au moins ouais que Kundalini vraiment gagne pile exercice de respiration et un pile exercice d'étirement côté que obligé qu'embé ou pose tout et ou l'autre alors ça c'est expérience pam et ou l'autre expérience ça fait que moi ouais tout avec l'autre monde qui fait cool avec nous c'est que il permet de relâcher un peu l'émotion que des monde à la fin cool qui prend crier ou par contre pour qui ça y a crier mais c'est des émotions qui étaient là qui étaient latent qui étaient bloquées c'est comme si l'énergie ça était bloqué dans le corps et puis permet de relâcher l'énergie ça yo et l'autre qui connaît des fourrures. OK. Donc et mais moi-même expérience pam et c'est pour ça que l'homme parle long coup Kundalini moi senti que ça me manquait ma pile. Moi senti un bien-être général et c'est comme si m'étais nettoyer tout champ magnétique moi tout champ énergétique moi. C'est comme si m'étais fait un nettoyage comme t'es passé long machine à laver et puis c'est comme ça me senti. C'est vrai, c'est comme ça me senti et puis me dormi bien le soir. L'homme fait Kundalini. Donc si il y a des monde qui veut essayer vraiment m'a pas courage enfin n'a pas essayé à ce on petite démonstration que Martine va faire avec nous mais m'a pas encourager nous continuer parce que c'est vraiment un bail extraordinaire. Donc ça c'est une de yoga que moi pratiquer régulièrement yo. Alors bon OK allez là on va finir répondre après ça bonne question de auditeur là. Gagne en spécificité que yoga Kundalini gagne qui fait qu'il y a une différence avec l'autre yoga. Premièrement, il y a une partie spirituelle là qui est très fort. Objectif Kundalini, c'est pour réveiller, j'aime pas dire. Mais c'est un yoga que y aurait le yoga de l'éveil, y aurait le nerf de l'âme, y aurait le nerf solide, y aurait même le yoga originel. Parce que c'est un yoga qui est le plus pur dans le sens que li pa dilué en pile li rassemble tout ça que yo te gain comme connaissance dans yoga yo c'est kembel ça veut dire nous gain chanter là-dedans pour répondre avec ça Béatrice t'a dit chanter à là-dedans pendant ou chanter yo gain droit mando et kembe en mudra mudra c'est des mouvements avec mais ça veut dire ou fait deux bagages mando fait un mouvement en même temps yo mande que des fois deux trois mouvements ou à faire un mouvement ou à kembe mudra donc on peut faire n'importe 4 5 bagailles en même temps tout ça permet tout une concentration on semence que on a créé et puis on demande kembe pour un temps bien déterminé alors m'a dit là faire Kundalini 30 secondes là c'est pas 30 secondes encore donc il qu'a paraît plus. Même les gens que l'on fait, c'est là dans moi t'essuie, je me t'essuie. Après me chita m'a sué. Donc seulement ça après ça, il vient lâcher, il vient l'ouvrir et puis gon décharge qui fait dans corps, mais pas seulement dans corps, c'est tout là. Nous gain corps physique là, mais nous gain en dehors tout. C'est pour ça Béatrice a dit que les sentir que c'est un lavage lié parce que nous pas veut faire répression émotion si on veut crier ou crier si on veut rire ou rire si on veut ou sentir épanoui ou on sentir épanoui c'est ou quitter au vivre moment ça parce que pas oublier c'est moment infinité ça ou pas vivre non moment que temps il pas exister encore même si que pour arriver dans moment ça faut faire petit effort, vous comprenez? Parce que le développer volonté, endurance, vous comprenez? En tout cas. Alors, j'aime dire, il y a un auditeur qui se pose une question et lui demande est-ce qu'il y a un danger dans Kundalini? Donc, par contre, s'il a parlé de Kundalini yoga ou bien parce qu'il y a quand parlé de réveil Kundalini, de différents bagages, donc, lui demande est-ce qu'il y a un danger dans Kundalini? Bon, dans Kundalini, il y a un pile, on contente un pile vraiment
et sous danger kundalini. Ça veut dire que les kundalini a énergie monte rapide. Il y a des gens qui pas contre ça pour le faire avec. Est-ce que les dangereux? C'est comme si est-ce que les dangereux pour monter en choual et pour aller courir en choual? Bon, il y a danger là-dedans, on va tomber. Mais faut qu'on ait maîtrise choual là, faut qu'on connexion qu'on gagne avec choual là jusqu'à ce qu'on vienne maîtriser et pour diriger et course au côté pour aller. Kundalini sont bagages qui naturels, sont bagages que nous gagnons en dedans nous-mêmes. Est-ce que nous pas servi avec lui parce que nous pensons le dangereux? Ça c'est on l'idée que nous gagnons. Mais c'est vrai que si on fait n'importe qui genre en façon qui gaie, li pa bon. Ça veut dire que gen des façons, par exemple, on senti énergie à monter sous comme ça, par exemple, on chanter. Faut être dans position pour que son ka sorti, c'est même bagarre avec énergie à. Si énergie à monter court comme ça, il doit bloquer. Et puis là, ou est avec une énergie qui pas sorti, qui est dans corps et puis qui ça va faire. Gen des moun qui paniquer, mais franchement, pour me dire la vérité, ce n'est pas un bagage comme si on a fait en classe et puis, wow, tout le monde est rentré dans la transe. Ce n'est pas non plus ça qui est pour nous aligner. Vous comprenez, nous avons fait un cadre qui est très sécuritaire et puis on peut aller avec un rythme au fur et à mesure ou accélérer et pour sentir l'énergie en cap monter, il faut dire. OK. Et justement, il y a un monde qui dit est-ce que c'est normal que après 3 mois, de pratique kundalini, li vin remarqué, c'est comme si li kon gen des douleurs dans poitrine ni boule énergie kap marche dans ventre li avec énergie qui chaud nan niveau colonne vertébrale li et puis d'un moment li kon senti la crier mais et que pas même envie parler à quelque moun. Donc bon, gen jan balan chaud, m'pa konnen ki sa kon nan ça. OK, gen des moun ki vini et puis yo gen en pile émotion. OK, on dit un moun par exemple qui a vive en dépression. Li vini li jwenn kundalini yoga qui vinn bal en support vraiment. Mais en même temps que kundalini pratique là, bon en support, li vinn souke yo. Ça veut dire que li permet ou qui ça fait côté dans dépression. C'est comme si la mando ça. Est-ce qu'on a joué une force dans nous-mêmes? Ça veut dire que quand des bagages nous mandent font exercice, nous mandent font exercice. On dit c'est ça. Et puis avec une respiration. Et puis on arrive à 40 secondes et puis woy, on a envie de crier. Bagage là monter dans nous-mêmes. Des monde qui suspend, yo pas veulent continuer, yo peur crier, yo peur retourner dans dépression. Okay. Et c'est dans moment ça que dit qui était vague la vini, qui était vague la passé tout pour ou même ou qu'arriver dans stade que ou ca joindre force là parce que c'est ça m'a cherché on force cap kembe ou vous comprendre pour qu'avancer dans la vie maintenant c'est des symptômes pour ca joindre gain qui pas agréable gain qui agréable mais tout va pas vinn équilibré donc chaleur je dois sentir des chaleurs gain des pressions dans tête là c'est comme mal tête non c'est comme si ou énergie a monté et puis ou m'te konsenti moi-même li rentre li kembe ou là moi-même c'est comme si li te montre que m'tap travay mais pression ça pas arrêté net rive un moment faut disparaître l'on vinn habitué avec pratique là tout bagay ou vinn diluer et puis ou rentre dans l'autre niveau dans pratique là très bien moi-même expérience mam avec niveau énergétique bon premièrement bajam assiste un bagage qui peut faire nous peur ni quoi que ce soit c'est que l'on senti et bon nous connaît que nous sommes corps énergétique avant tout donc l'on senti énergie on juste quitter j'en voulais aller et gain de l'homme connaît que qu'on a bougé me fait des petits mouvements rotation OK l'on nous fin fait des mouvements exactement mais c'est des mouvements rotation c'est qui pas dirigé souvlé. OK, l'on fin fo exercice c'est que nous poser et moi connais ces énergies en cap. Mais honnêtement, il est toujours bon un bon feeling, c'est pas un mauvais feeling. Il est toujours bon un bon feeling que moi reconnaître OK, ça son bon bagage, son bonne énergie. C'est comme ça me percevoir moi-même. Donc est-ce que justement, il y a une recommandation pour moun sa tap que li quitter émotion ça sorti, peut-être que li
li pa remarke que peut-être que gen des émotions la pou senti pendant la fè Kundalini ou bien que est-ce que peut-être c'est des émotions qui méritaient sorti qu'il a depuis longtemps dans 3 mois peut-être pour qu'au suffisant pour que yo fin sorti net donc ou recommander pour just enfin pour li détacher de ba ça ça ta recommander pour continuer. Moi ta recommander sauf si vraiment c'est un bagage qui exagéré qui difficile pour vivre pour pas capable avec fonti camper. Fonti camper fait en pratique qui soit qui puis douce continuer prendre conscience. Mais c'est en forme de guérison tout et Kundalini. Donc ça veut dire gagner les prend du temps, ça veut dire c'est pas en mois, ça veut dire ou capable continuer faire 6 mois, faire 8 mois. Regardez moi qui vini me faire 8 mois intensif, yo crier chaque fois au vini dans classe là. Mais au vini mandé au personne vini, il dit pour crier à même parce que il besoin dégager, mais il besoin sentir que gon. C'est pas ou crier parce ou penser au bagage non, son soulagement. Gagner mon l'autre monde même vini parce que yo senti au bien. Donc son guérison, c'est médecine et c'est propre ou même qui a créé guérison. Donc si c'est pas un bagage qui permet qui empêche ou et continuer la vie ou est capable concentrer, mettez toute concentration pour continuer parce que ou capable peur que ça cap arriver ou. Ou que doit peur propre force tête oui. Dit non faut qu'a reconnaître que pour n'y avoir pas son autre étape, il y a mando pour joindre force ça pour aller dans la vie. Donc faut avoir confiance en un sens et parce que il faut faire face à une série d'émotions, émotion gain doit peur, émotion gain doit joie, émotion gain doit tristesse, mais on va gagner plusieurs émotions qui va monter que qui essentiellement sont en dedans, on va monter quoi. C'est pas tout en bas vle que nous penser que l'élan pour le faire yoga Kundalini nous pas sentir tout bagaille ça, regarde moi qui vini yo passer yo. Moi même pas de sentir, chaque acte monter c'est chaleur. Exactement, gay comme si c'est ouais ça qui a passé là. Mais un bagage qui c'est sûr que tout le monde a vivre, c'est que Kundalini yoga mettait en face de ego, ego en quelques secondes. On t'a dit 10 secondes. Ça veut dire que si bon mouvement qui paraît bien facile, mando rete comme ça, rete là pendant 2 minutes, on dit oh facile. Et puis après 15 secondes, on dit oh. On vibre ses bras. Oui. C'est tête pour commencer à dire oh ça m'a fait ça m'barre pour ça il commence à faire mal m'a baisser bras relax non tout bagage ça mais gon raison pour que ça nous mette bras nous comme ça gon raison c'est pas seulement pour mental là libral et activer des méridiens les méridiens c'est des canaux qui connectent en dans corps pour faire circulation énergie à passer libral activer système nerveux li pral faire li pral permettre que gagne des glandes comme par exemple glande pinéale avec glande pituitaire yo vinn marcher pi bien donc yo sécréter et des messages yo voyer des messages dans tout corps les hormones gagne des positions que sou kembe au moment li formal l'o passé cap là bon endorphine qui vinn descendre dans tout corps et tout kake des positions. C'est ça. Et c'est bien qu'on a mentionné tout le monde, parce que récemment, enfin, dernière émission, nous avons avec nous, Dr. Vanity Exeus, qui t'a parlé de méridiens et qui t'a parlé de qui j'ai que l'énergie a bloqué dans des méridiens. Et c'est pour ça que l'acupuncture, très souvent, il t'a parlé de questions de chi. Et en vain, ça nous a parlé de tai chi. Donc, en fait, tout le monde, ça nous vient réaliser que tout connecté. C'est pour ça que nous avons connecté là, soir. Donc, en fait. Nous bien content toute théorie ça Martine mais je suis sûr que tout le monde alors bien sûr nous remercier tout le monde qui a posé question et nous croyons que nous essayer et enfin moi en pile dans question là mais comme nous connaissons que l'avancée que gain également des petits exercices pratiques nous va le faire on dirait que gain une dernière question là enfin deux dernières questions donc monde qui me dit est-ce que bon yoga spécial pour monde qui a un problème dans le dos ou bien que tu as qu'à recommander. Mon pilates li très bon pour problème d'eau. Kundalini ça dépend de qui ça yo gagne mais li ka bon pour dos. Gen plusieurs moun ki kon vini ki te gen douleur nan dos et puis kounia yo senti au pied parce que douleur nan dos c'est pas forcément déformation gen nan dos, li capable en pression stress en énergie qui bloqué et puis avec tout exercice que nous fait li vinn débloquer donc Kundalini li ka bon. Ça dépend de si son bagage qui est médical ou bien si c'est un autre bagage.
OK, puis gon l'autre monde qui m'aide est-ce qu'il y a des exercices ou bien une méthode qui va permettre de maîtriser émotion négative et là yo ka présenter pour ka éviter transmettre yo et ba ou l'autre monde. Ma ta pour un traitement automatique. Gestion bon. Pendant n'a dit que Kundalini ka fait toute énergie ça au vini, c'est comme si que l'a vini puis après non un bagage qui négatif, non? Énergie a barré les hauts négatifs en plus. Parce que yo vini, yo là, yo existe, yo en dedans nous-mêmes. Là yo vini, mais si vous sentez les négatifs pour vous, yo gars, c'est ça l'a fait, l'a mettre en surface pour capable gérer yo et puis passer à un état de calme. Kundalini a l'air très intense, mais en même temps, li bon, puis relaxation. Li gen tous les deux, li douce. C'est comme si li amer et puis li sweet. Vous comprenez? Li gen tous les deux là-dedans. Oui, exactement. Mais ça dépend de séance là tout. Parce que il y a des séances qui sont calmes, ça dépend de l'énergie que il y a dans la salle là, nous capable prendre yoga qui soit. Il y a des fois me senti tout mon yo oui. Là, on dit OK. Pour chi, yo t'a parlé de chi, nous fait un peu de respiration du feu, monter énergie après tout pour senti que waouh! Il y a vivre en intensité, mais c'est pas tout le temps. Il y a les cas haut, les cas bas. Je dis à ma PC font bagaille qui ca que voulait que nous sentions sensation quand même dans corps pas voulait que nous inquiéter nous de et pas faire bien trop longtemps etc. Même choisir un bagage qui pral ting ting you et puis qui pral mal avant vous. Merci. Alors ou l'autre bagage que moi remarqué dans Kundalini par rapport à l'autre yoga yo, il y a deux trois exercices qui retournent que nous ca faire de temps en temps, mais ça fait des années que je pratique yoga à Martine. Chaque fois, je suis étonnée de voir des mouvements que je viens avec, yo, que je ne peux pas jamais faire avant. Je me dis, mais quand est-ce que je sortis à mouvement ça? Toujours bon bagage nouveau, toujours bon mouvement nouveau pour que je me fasse. Eh on va commencer, Mabdino, et normalement, mouvement ça. Yo. C'est un monsieur qui est le Jogi Bhajan. C'est un Indien. Il saute en Inde. Li vin en Amérique parce que Kundalini yoga c'était un yoga qui était réservé pour des initiés ou bien des moun bien particuliers que t'es choisi ou bien des rois. M'pa même dire reine parce que m'pa même connaître si femme de kon fait ça si c'est pas seulement pour monsieur yoga ça. Li même li dit bah ça a fini. C'est une technologie qui pour tout monde faut nous mettre l'accessible. Donc lui-même lui vini, bien sûr c'est un maître spirituel qui était assez fort jam. Donc gain on lui-même lui vient avec plusieurs méthodes, gain des kriya et c'est ça nous va le faire une jodia. Kriya sont série de mouvements, une après l'autre. Si par exemple gain 10, ça sont kriya. Ou pas qu'à changer mouvement dedans. Ou qu'à changer avant pour échauffement, ou qu'à changer après pour méditation. Mais ça quand dedans c'est okay. Ça qui prend après ça, qui prend après ça, qui prend le bas ou tel effet. Ça veut dire gain cria okay. Pour dépression, gain cria pour rien, gain cria pour joie, gain pour toute bagaille. Okay. Et pour répondre avec ABA, gain 72 000 cria. Non, eh bien, et bien l'autre n'a pas ajouté. Vous comprenez parce que c'était lui-même, si vous suivez exactement ligne par ligne, mais gain l'autre n'a pas ajouté. Cria ça yo. Livini par illumination parce que son science lié mais par exemple un monde qui comme monter pour la lili li doit parler en langue que ne pas jamais parler avant ou bien il fait un cri ça veut dire il fait un mouvement sans le pas connaître mais mouvement ça li bon pour col dans moment ça c'est pour équilibrer col dans moment ça tout petit mouvement ça yo vinn connecter et puis ou gagne plusieurs mouvements pour la lili et puis ou gagne des cri tout mais c'est pas un bagage kinesthétique non. Son bagage scientifique. Même si gade là ou senti que waouh, expérience santé mystique. Très bien, très bien. Bon. Très bien. Là, on suppose que nous allons faire un petit exercice avec auditoire. Là, monsieur, que tout le monde attend ça impatiemment pour nous capables passer de la parole aux actes, pour nous capables voir exactement ça que gade Kundalini yoga. Donc, Martine. Et est-ce qu'on a quoi que ce soit voulu ajouter avant ça ou bien quoi?
Non, m'a dit tout le monde, connaît que des monde qui là, il yo pral garder avant yo fait. S'il vous plaît, faites. Son expérience liée, c'est pas un exercice physique, son expérience. Après ça va pas dire pour expérience ou qui sont sentis, etc. Pas attendre nous à rien. Oh oui, m'a pas senti émotion, oh oui, et m'a pas de café tel bagaille. Just fait ses premiers peut-être expériences ou et vive-li. Après ça, waouh ouais. Ça a passé, mais vive li, rete nan en dedans, fait expérience la totale, fait n'importe où, pas inquiété de est-ce que si mouvement ça drôle, m'a pas fait, vous comprenez? Parce que sous gadel, gade avec fait c'est deux barres différentes. Donc, vous dites, oh, vous pensez le facile, le difficile, ou bien vous pensez que ça drôle, ou pas prendre la donne, mais je dis, il y a un bagage qui est bien nice, bien souple. Nous pas obligé chita à terre, moi-même moi chita à terre, on va lever ces caméras pour qu'on voit bien. Et ça n'a fait n'a mettre sous speaker view pour être capable voir bien. Est-ce que nous aime? Très bien. On va m'a comme ça. Correct, nous complètement là. Très bien. Donc Jean t'a dit nous pas obligé chita à terre, nous ca chita son chaise. On pas faire des mouvements jodi a que nous pral camper avec jambes etc parce que n'a passé fort 25 minutes à peu près donc pour monde qui toujours mandé oui mais est-ce que pas gain mouvement avec et pour tout corps oui mais jodi a n'a fait un bagage qui plus à bouger de là à là donc si vous voulez rester sur chaise même si ou pied à l'aise à faire on l'autre bagage sous pas ca chita à l'aise normal avec jambes croisées ou capable mettre un coussin en bas et puis vous mettez point bout d'au sur coussin parce que vous voulez que genou yo vienne descendre nous pas vous pas voulez chita comme ça colonne là faut toujours droite. OK. Donc nous pas commencer. Nous mettez main nous en gayan mudra ça veut dire nous mettez index avec pouce ensemble sous genou. N'a bien colonne droite. Nous va descendre tête nous tout doucement, pas trop parce que nous voulons que quoi avec colonne là, li vienne en seul ligne. La femme géo. Et puis commencer conscient respiration. Et que respiration divine calme, divine longue. Ça veut dire qu'on bon inspiration, qu'on bon expire totalement. Et qu'on y a habillé toute bagaille, toute ça qui arrive matin, toute ça qui arrive nous dans le moment présent. Ou senti corps. Vous sentez vous chita bien. Vous tendez souffle. Et puis, quand il y a, vous pouvez demander de mettre une main ensemble, vous pouvez frotter parce que vous avez mis chaleur, activer le nerf dans la main. Et puis, vous pouvez mettre devant que nous. On en a respiré consciemment. On va l'ouvrir espace là avec un mantra que on va chanter trois fois. Mantra a dit Om Namo Gurudev Namo. Son vibration liée, livre dit que me reconnaître lumière qui en dedans. Donc m'a dit trois fois. Om Namo Gurudev Namo.
Inspirez. Gardez l'air. Piconia, expire. Ok, nous allons commencer. Nous allons mettre les mains sous les genoux. Nous allons passer en avant. Nous allons inspirer devant. Nous allons expirer. Couper dos à derrière. Et puis, nous allons commencer. Inspirer devant. Expirer derrière. Bouche nous ferme. Nous allons inspirer avec les mains. Nous allons expirer avec les mains. Fermez les genoux. Pour nous temps de respiration, nous respirer plus fort parce que ça nous prend l'habitude de faire. Kounia, nous allons changer de direction. Nous faisons même bagaille, nous inspirons devant, nous expirons. Et on a pour retourner dans le centre, tirer sous colonne là et puis inspirer. Inspirer encore. Expirer là, bien. Mettez les mains nous sous cheville nous là, on a bien bien appuyé sous, on a levé qu'elle nous allait et puis on a courbé colonne là pas derrière. Donc, il semble ça. On a inspiré, soulevé qu'il y a. Expiré, nous parlons derrière. Nous pas bouger tête là. C'est seulement colonne là qui va le diriger. Mais avec une respiration qui est puissante, l'eau habituée à aller plus vite. On a fait ça 10 secondes encore. Kounia, inspire, tire sous colonne la ligne droite. Et puis, on a expiré. Ok. Kounia m'a mette poussio derrière quatre doigts devant, m'a mette épaules yo bas, mais coude yo fo yo haut. Nous allons inspirer en côté, ça veut dire on va virer torse et puis on va expirer ou pas l'autre bord, mais bouche ou rete fermé. A qui te coude yo tombe, qui te oro. Et là, nous te mettons retourner dans le centre pour une belle inspiration. Kembe. Et puis, nous te mettons expirer, descendre, braille. Ok, là nous venons chauffer. Mais ça nous va le faire courir. On va le mettre pour nous en dedans, fermer l'autre droite sous le lit. Mettez-le en face l'autre. Coulez-le bien haut encore. Pas quitter là, pas quitter là. C'est là pour vous. Poitrine, levez-le. Baissez menton. On va l'ouvrir bras.
et puis après ça, on va fermer. Donc, on va inspirer dans la position ça, expirer, là, on va ouvrir. Mais nous allons aller rapide, ça veut dire. Mais on va le rester comme si on va faire un coup sur un bagage, comme si on va frapper une porte, ok? Donc, on va inspirer, on va expirer, rapide. On ferme la bouche, c'est avec le nez, on va respirer. Mettez force, mettez énergie. Sous peine du rythme, là, recommencez, ou à inspirer devant, ou à ouvrir, expirer. Fermez le géo. On appelle ça 20 secondes encore. Inspirez, retournez deux points au devant, poitrine. Kembe. Ok, ok. Descendez bras, expirez. Et puis, quittez colonne ou bien droite. C'est lui-même qui a kembe. Vous mettez la gaze pour lui, tout corps relax, sauf colonne qui a kembe ou senti la kembe. Et puis, vous même dans le silence, pendant le cœur, vous recommencez à battre lentement, doucement. Ok, qu'on y a une belle inspiration avec Néo. Et puis expire avec bouche. On l'autre bagaille, nous pourrons le faire qu'on y a. Nous pourrons le mettre pouce là qui pourra le vine fermé sous le petit doigt et l'annulaire. L'autre yo campé. Ça, c'est un moudra. De l'autre bras, vous pouvez le retirer, vous pouvez le mettre sous côté, bien relax. Nous pouvons l'inspirer, nous pouvons l'expirer avec bouche ouverte, en haut. Mais nous pouvons respirer rapide et en même temps, après respirer, vous pouvez faire des cercles sous côté. Puis, l'on finit habitué, vous pouvez le venir plus rapide, vous pouvez le faire même jour. Mais ça le semble. Vous mettez commencer avec moi. Vous sentez vos bras qui prennent appui sous le coton. Respiration avec bouche qui l'ouvre. Continuez à faire un cercle bien rapide. Continuez toujours. Continuez respiration. Continuez cercle. Continuez. Continuez. Pas arrêter non. Continuez pour gagner faire. Respirez plus fort. Respirez plus fort. Qu'aimez toujours, courage. Vous allez nous bien coller sous côte, nous pas suspendre. Si nous te suspendons, recommencez vos 30 secondes nous café sans nous arrêter. Avec bouche ouverte, en avant. Respirez fort, oui. Huit secondes. Huit
inspirer avec bouche. Expirez, bouche ouverte. Restez là. Pas bouger tant que respiration vient calme. On te met ses bras sous genou. Relax, relax. Senti présence. Ok, pendant que prend l'autre rythme, voilà kembe Gayan Mudra, index avec pouce là, mettez deux bras nous sous côté. Ça veut dire que main la garder terre. Pas quitter bras au descendre. On va rester bras parallèle au sol. Colonne droite, menton rentré, yeux fermés, poitrine levée, respirez kounya. Avec Néon, en respiration profonde, très profonde, longue. Ma pévite au pas baisser bras. N'a pas là pour deux minutes. Rete, fais expérience là. Fais expérience là. Lorsque senti oui, ou t'as envie de baisser bras, respire plus fort. Fond. Parfait, tentation. Ma banou, ti chanson la tout qui dit, l'aime fin chante, sa vezina kabe se blan. Sante nara hayan, hari nara hayan, hari nara hayan, hari hari. Ou la ou pa bouge, ou gen maîtrise émotion la. Sante Narayan, Hari Narayan, Hari Narayan, Hari Hari. Sante Narayan, Hari Narayan, Hari Narayan, Hari Hari. Sante Narayan, Hari Narayan, Hari Narayan, Hari Hari. C'est seulement ce bon lumière. Sante Narayan, Hari Narayan, Hari Narayan, Hari Hari. Nous bon là. Sante Narayan, Hari Narayan, Hari Narayan, Hari Hari. Sante Narayan. Hari Narayan. Vous êtes capable d'inspirer quelle position? Expirez, vous êtes descendre. Vous tombez dans la position initiale là, colonne droite, yeux fermés, les épaules lâches. Et vous connectez avec vous-même. Connecté. Ok, au cas où je vous dis, nous allons mettre main gauche là, nous allons fermer là avec un point. Vous mettez le sous genou, quittez-le doucement. Main droite, ou un coude là, li haut, li gon bel angle avec le terre, ou pas mettre l'en bas, ou mettez le comme ça. Ou descendre ou monter. Ou inspirer, ou monter, ou presque vivre bon bouche, et puis descendre presque dans l'ombre. Mais on va le faire rapide. Inspirer, expirer. Fermez les yeux. Pas quitter le coup de la descente, et puis vous continuez à faire mouvement. Respirez fort avec puissance. Bouche ou fermée.
continuer respiration puissante, continuer mouvement, ou va sentir l'air qui va descendre sous jambon. C'est qu'un bébé là toujours, nous avons 20 secondes encore. Inspirez. Mettez immobile. Expirez. Et mes concentrations, ou bien deux mains au devant. Main droite à regarder le ciel là. Main gauche à regarder terre. Là, il est facile, loin, il est rapide avec main. Pendant une a monté, l'autre là descend. Et puis, ou même, on fait une respiration qui est tranquille, qui est longue, qui est profonde pendant qu'on fait mouvement. Et puis, l'on habitué, fermez les yeux. Fais-le rapide. Fais-le concentré. Mouvement rapide, respiration lente. Continue mouvement, continue avec toute concentration. Je vous ferme. Un moment toujours. Mettez l'énergie dans le mouvement. Ok, on y a inspiré, t'es immobile. Ça, tu peux t'énergie, on a mis, on a pied, on peut circuler, baisser les épaules, on y a. On va mettre deux mains sous cœur, non? On va mettre la tête, nous pencher sur un côté, pencher sur l'autre côté. Ça seulement. Respiration normale. Jesus,
Et là, au carré, tournez la sainte. Inspirez. Expirez. Levez deux bras nous en l'air. Inspirez, tirez sous colonne, tirez sous bras et tirez, tirez. Quimbez bras nous en l'air. Expirez. Encore, inspirez. Tirez, tirez sous bras nous, tirez sous colonne là. Expirez. Pour dernière fois, nous allons faire ça. Inspirez. Expirez. Mettez les mains ensemble, nous allons descendre. Mettez les mains devant le cœur. Hein? Et puis nous toujours fini pratique là avec un mantra qui c'est Sat Nam. Sat veut dire vérité, Nam veut dire identité. C'est comme si vous t'apprêlez qui belle partie dans vous-même. On a dit trois fois on va le chanter. Ça fait qu'on est à suivre l'autre jour quand juste attendez. On va l'inspirer pour chanter trois fois Sat Nam et puis pour nous fermer l'espace. Sa. Nam. Sat Nam. Sat Nam. Merci, merci pour l'effort, nous, merci pour ces ensembles que nous faisons ensemble. Merci, en pile, en pile, en pile, Martine. L'était très bien, ça va nous bon petit aperçu de ça, Kundalini Yoga, pour les gens qui ne pas connaître. Donc, Kounia n'a pas invité nous partager expérience là avec nous. Moun qui fait expérience là, comment nous senti nous, ça nous pensait de lire. Est-ce que c'était facile? Est-ce que c'était bon ou de... Est-ce que c'est à santé à ton nous ou bien est-ce que c'est tombé être très différent de ça nous gagne en tête nous comme yoga? Et est-ce que il y a des moun là ah bon, il y a moun là qui dit que yo bien inspiré là. Ok, moi-même personnellement, deux fois me frappé à Béa, donc finalement mon petit genre est allé quand même un petit peu, me quitter Béa et faire plus d'espace. Mais et, tout comme dernière fois, malgré que fois ça a été plus court et moins intense, déjà été commencé à respirer tout. Ouais de toi, mon. Ça c'est ton tiers avant-goût. Lika pi intense parce que normalement là nous pensons nous faisons 27 minutes normalement classe là c'est 1h15, 1h30 mais bien et ça va juste c'est justement il y a une bagaille que nous vraiment nous tout matin c'est s'il y a des monde là qui t'a aimé participer à une session est-ce que nous connais que nous pas vraiment vienne sous ça mais pendant que ou en confinement est-ce que vous offrez des classes en ligne? Comment ça marche? Est-ce que vous avez des bah, vous êtes capable de proposer bah, auditeurs qui là aujourd'hui là, internautes? Bon oui, t'appelle message tout le monde voit, il est bien intéressant. Oui, depuis confinement, comme moi-même moi Montréal Kounia, normalement je prends bah classe la réserve dans l'hôtel La Réserve, mais m'bay sous Zoom, même gens que nous faisons là, m'bay classe sous Zoom, trois fois par semaine,
Donc, nous te mettre contacté et sous plus bonne façon, c'est vraiment c'est WhatsApp pour moi. C'est ça qui est facile. Bye le mardi, jeudi à 5 heures et puis le samedi à 10 heures du matin. OK. Est-ce qu'on a un numéro WhatsApp pour les gens qui veulent contacter? OK. WhatsApp 509 48 82 01 02. 48 82 01 02. OK. On a quand même posté à la fin. Oui, on a posté li et m'a dit nous que vraiment c'est moins fait par Zoom depuis Martine l'autre bord. Et vraiment pas gain grande différence parce que nous participer au contraire ça permet même à des monde qui te connent dans cou yoga avec nous en Haïti et qui te viennent quitter pays donc ça permet nous au contraire rejoindre nous toutes et nous connecter communauté justement connexion ça qu'on sentit que pendant on fait un exercice ou pas pour tout c'est ça Kundalini en permet tout vous sentir que go bagay ka kembe yo. Alors, bon monde qui m'a dit pour me poster numéro, donc on va le poster là, ou c'est 509 48 82 0102. OK, donc on poste là. 48 82. OK. Et bien Martine, merci beaucoup de participation à soir pour nous connecter, mais enfin on va aller. Je pense que j'aime te parler de ça avec. Je pense que est-ce qu'on finit un challenge pour nous? Alors, chaque semaine, nous toujours m'allons. Pourquoi le challenge? Challenge, je ne vais pas faire Kundalini. Voilà. Mais ça, mon challenge là. Je suis vraiment en pile challenge la semaine passée. Il était très belle. Et ça a vint frapper parce que c'était, il a dit qu'on savait que. On va le juger l'autre monde, reprendre ensemble. Et puis ouais faut exactement et puis après ça c'est premier deuxième là faire un mouvement pour capable joindre moule là c'est pas seulement rester moi ça m'a dit est-ce que pendant 7 jours ça veut dire on va arriver dans l'autre challenge semaine prochaine 7 jours ou capable faire un mouvement Kundalini m'a proposé une qui simple que nous fait jeudi là qui était leur mettre point au comme ça pour faire inspiration expiration. Pas oublier pas l'ouvrir le net ou river là devant comme si c'était une porte et vous ouvrez l'estomac ou colonne droite je ferme ou fais 1 minute sous capable faire 3 minutes 2 minutes mais sous senti que oui ou t'as voulu faire challenge là fais 1 minute parce que c'est énergie ça qu'on t'a remis utiliser pour le dégager là senti que et puis, vous êtes capable de bien à l'aise pour parler avec un monde, pour avoir plus de compassion pour le monde, pas quitter aller ou énerver nous en confinement pour aller parler avec un monde, de envahir avec une énergie qui passe. Donc, dégagez avant, vous pouvez faire chaque matin et chaque fois qu'on a besoin, mais c'est faire une fois par jour. Challenge, c'est faire mouvement, mais c'est faire chaque jour. OK. Pendant 7 jours. Et est-ce que vous recommandez que Mounio Chita pour faire ça ou bien il y a même rien à faire? Si par exemple, Mounio a oublié que l'idée de travail, est-ce qu'il a fait mes colons côté rapidement? Il a fait mon travail, oui. C'est pour ça même, Mika Chita et puis il sentit que, ouh, là, il n'y a pas capable mon corps. Eh bien, en avant. Très bien. Moi-même, je vais continuer pour exercice, je compte chaque exercice Kundalini aider une partie d'un corps ou bien aider et gérer une émotion bien particulière. Sans choisir pour nous en soi, qui ça porte pour nous? Exercice que vous faites? Exercice ça, c'était toi. Par exemple, gain pile, c'était échauffement, mais ça, qui t'est suivi de ça, qui t'est suivi de ça, ça c'est un cri allié et ça c'est pour libérer stress. Ah, par contre, si nous sentons, si nous, moi-même, l'aime-femme sentir que mon petit j'ai plus à flotter parce que il n'est pas trop difficile non plus, et puis ça, il vient balancer et l'esprit, ou, donc on sentit au plus calme après ça. Donc ça c'était un cri, l'autre c'était des échauffements. Alors, tout auditeur, yo, nous, c'est un exercice qui peut libérer stress,
N'a gen live là en permanence sous nous connecter en plus nous pas upload bi sur YouTube pour nous à partir de demain donc n'a gen accès à mini session ça donc m'a encourager nous en plus de ça Martine Banois s'il y a possibilité le soir pour nous tourner ou bien le matin pour nous faire toute cette série là m'a encourager nous faire exact alors gen moun pi bonne ak t'a demandé pour qui ça nous pas live sur YouTube nous pas live sur YouTube par compte épisode yo yo tout pral sur YouTube enfin yo déjà sur YouTube ça pral sur YouTube d'ici demain sous channel Mind Valley Haïti et justement nous capable retourner sous dernier fin ça et puis nous refait cet exercice ça autant de fois que nous voulons ou bien n'a joindre sous Facebook j'en vais à dire donc Facebook gain replay yo oui. Que replay live yo que nous ca joindre sous nous connecter avec Mind Valley Haïti, en tout cas, Martine, vraiment un grand merci. Alors, ça, c'est un petit changement que nous avons porté pour nous, que nous avons implémenté la caille, nous, pour nous sentir mieux dans le corps, nous, dans l'âme, nous, dans la tête, nous, pour nous avoir l'autre vibration, pour nous vibrer sans stress. Donc, j'espère que nous avons apprécié. Et m'a profité pour annoncer, inviter nous semaine prochaine. Qui pral vin parler avec nous de ou l'autre modalité de énergétique c'est Philippe Dodor qui sont artistes et il pral vin parler avec nous de Reiki donc n'a pas invité nous pour nous brancher semaine prochaine encore sur nous connecter et si jamais nous gagne des sujets que nous t'aimer nous débattre pour nous tout t'en prie voyons message pour nous c'est avec plaisir depuis son message qui a aidé monde dans développement personnel et dans bien-être yo nous toujours l'ouvrir à recevoir moun sa yo sous plateau. Donc, un grand merci. Toujours songer que changement, c'est avec ou le commencer. Et sont même seuls qui ont pouvoir pour améliorer, à changer tête. Tout son bail que personne, l'autre moun, pas qu'à faire pour vous. OK? Donc, toujours songer qu'on a une lumière ça en dans la caille ou en dans le cœur et que ou gain capacité et ou gain possibilité pour faire. Donc, merci tout le monde. Nous dit tout le monde un gros merci. Martine, un grand merci. Gros moun la qui dit que li remarque que numéro a pas monté sur WhatsApp, m'a tout profiter dit c'est sûr parce que va mettre plus devant 509. Hein. Donc on y mettait plus 509 et on t'a supposé joindre ni. Maintenant, m'a dit tout le monde qui était là à Soéa, un gros merci. Bonne nuit. Songez et certainement que Béa avec moi, nous c'est en plus de ça, nous c'est des coachs de vie. Donc et nous sur Mind Valley Haiti community ou capable joindre nous si jamais gon moun là qui t'a besoin soit référé nous au monde qui peut penser qui t'a besoin coaching ou bien nous également faire des groupes et des couples donc et bientôt nous va faire cette émission n'a invité nous-mêmes n'a invité tête nous pour capable de effectivement alors on va parler un petit peu merci en plus voilà donc, merci pour l'invitation merci pour que nous créer plateforme ça très heureuse de ça bon travail bravo. Un plaisir Martine ça a été très intéressant merci et puis bonne soirée bonne soirée à vous tous.